C'est une histoire d'un autre temps, un peu magique mais bien réelle. Laissez-nous la conter, car elle est belle. C'est une histoire de dépendance, d'un homme qui a mis sa confiance en Dieu plutôt que dans les circonstances. Les rues se vident de leurs vagabonds, les orphelins trouvent une maison. Nous sommes à Bristol, en Angleterre, et c'est l'histoire de George Muller. C'est une histoire de miracle, d'un homme à la fois radical qui compte sur Dieu pour son pain et son eau. Pour les cyniques et les sceptiques, l'exemple d'une foi très pratique. Chaque centime devra venir d'en haut. Il y a près de 200 ans, alors que des enfants dans la rue meurent, d'un homme qui voulait montrer qu'on ne peut croire et ignorer la détresse des enfants et leur malheur. Demandez le Bristol Times, demandez le Bristol Times. Aujourd'hui, un article spécial. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'enfance de George Muller en Prusse. Découvrez les origines du père de tous les orphelins de Bristol. Demandez le Bristol Times, demandez le Bristol Times. George Muller est-il un voleur repenti? Demandez le Bristol Times, demandez le Bristol Times. Ah, Georges, te voilà enfin. Mais où étais-tu donc? Tu n'es de nouveau pas rentré hier soir, hein? Où as-tu passé la nuit? Père, criez pas si fort. Je révisais mon latin avec des collègues. Asinus, asinum, asini. Tu révisais. Tu crois que je vais valer ces sornettes? Dis plutôt que tu étais attablé à boire des pots dans une taverne ou à tricher aux cartes comme à ton habitude. Tu n'es qu'un débauché et un petit escroc. Moi, mes pères, voyons, vous n'y pensez pas. Et menteur avec ça. Mais quand donc vas-tu te décider à te remettre dans le droit chemin? Et moi qui te paye des études hors de prix, as-tu songé à ton pauvre père, aux soucis que tu me procures, et à ce que je vais devenir dans mes vieux jours? Non, ça tu n'y penses pas. Ah, si seulement tu voulais m'écouter et embrasser cette carrière de pasteur qui te tend les bras. Pasteur luthérien,
Ça, c'est une bonne situation. Ça, c'est une garantie d'avenir. Avec tes capacités, c'est tout à fait dans ton tir, ça. Mais l'Asinus que tu es ne se rend même pas compte qu'il est en train de gâcher son avenir. Enfin, notre avenir. Pasteur, mais bien sûr que j'y songe. Et même très sérieusement. D'ailleurs, si vous le permettez, je vais retourner à mes études. Au revoir, père. Georges, reviens ici tout de suite. Oui, père. Je vois qu'il manque des pièces d'argent dans ma bourse. Oui, il y en avait 7, ça je suis sûr. Il en reste 4. Tu n'aurais pas quelque chose à voir avec ça par hasard? Moi? Mais père, comment me pouvez-vous imaginer une seule seconde que j'ai pu faire une chose pareille avec tout le respect que j'ai pour vous? Vite tes poches. Enlève ta chemise. Maintenant, tes pantalons. Père. Et encore tes chaussettes. Donnez-moi. Ah. Mon fils, un vulgaire voleur. Comment oses-tu déshonorer ainsi le nom des Muller? Viens ici. Ne vole plus jamais. Tu m'entends? Et maintenant, hors de ma vue. Fêtard et sans égard. Pourtant, je ne manque pas d'ambition. Je veux faire carrière dans les sermons. Voleur, buveur, un peu menteur. Roublard, fêtard et sans égard. Pourtant, je ne manque pas d'ambition. Je veux faire carrière dans les sermons. Vous allez voir, je deviendrai pasteur, un luthérien, car ça paye bien. Je plumerai des ouailles bien fortunées, j'aurai du blé et un pédigré. Voleur, buveur, un peu menteur, roublard, fêtard et sans égard. Pourtant, je ne manque pas d'en. Je veux faire carrière dans les sermons. Quand les paniers d'offrandes se promènent, ils garniront mes poches sans gêne. Sans un scrupule et sans aucun soupçon, je deviendrai pasteur pour le pognon. Voleur, buveur, un peu menteur, roublard, fêtard. Épatrés par de savantes prières, Saint-Georges c'est moi, ça ne se voit guère. Un peu d'hébreu, de latin et de triche, je deviendrai un pasteur.
Georges. Bienvenue, mon fils. Alors, comment se passent ces études à l'université de Halle? Père, c'est merveilleux. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. J'ai rencontré... Une fille? Non, père. Beaucoup mieux que cela. J'ai rencontré Dieu. Ah, moi qui ai plus que ça. Mon fils devient un illuminé. Et tes études de théologie, alors? Et ta carrière de pasteur? Pour ce qui est des études, je veux m'y mettre plus que jamais. Quant à la carrière de pasteur, je me disais plutôt... Oui? Je vais devenir missionnaire, père. Je le sens, je le sais. C'est l'appel de Dieu pour ma vie. Missionnaire? Non, dis plutôt solsou, fauché, mendiant. Mais qui va te payer tes factures après? Qui va mettre du pain sur la table et du beurre dans tes épinards pour autant que tu aies des épinards? Tu as toujours voulu que je sois pasteur luthérien. Là, je vais être pasteur, mais à l'étranger, missionnaire. Ce n'est pas si différent. Ce sont deux appels qui honorent Dieu. Alors, ne me parle pas d'honneur. Crois-tu que tu m'honores avec cette idée saugrenue? Et que vont dire mes amis? Pauvre Hans Friedrich Müller. Il a payé pour que son fils puisse étudier jusqu'à 22 ans et à l'université de Halle, rien de moins. Oui, un garçon intelligent, premier de la classe. Il allait devenir pasteur. Pasteur luthérien, un bon poste, un bon salaire, un bon statut social, et voilà. Il a tout laissé tomber pour devenir missionnaire. Tout ça, sans même un sou dans ta poche. Non, mais tu crois que j'ai investi tout cet argent dans ton éducation pour en arriver là? Alors, Georges, je te préviens, si tu me fais ça, je te renierai. Dieu seul prendra soin de moi. Je ne demanderai rien à personne. D'ailleurs, à ce sujet, je me disais... Enfin, non, je m'apprêtais... Mais quoi encore? Je vais vendre tout ce que je possède et donner l'argent aux pauvres. Oh. Thank you.
Georges, mon chéri, viens voir comme tout est joli. J'ai passé la journée à ranger et à nettoyer et je trouve que ça ne ressemble plus du tout à une maison de célibataire. Marie, je ne savais pas que tu avais autant de choses. Mais Georges, tu ne pensais tout de même pas que ma famille était sans le sou. J'ai de la porcelaine, de l'argenterie de ma mère et des tapisseries qui sont dans la famille depuis des générations et je trouve qu'ils égayent considérablement la maison. Mais Marie, il va falloir tout débarrasser. Georges, d'accord, mais alors qu'est-ce que tu voudrais que je débarrasse ? Mais tout, Marie. La porcelaine, l'argenterie, les tapisseries, tout ce qui n'est pas absolument indispensable doit disparaître. Mais pourquoi ? Je ne peux décemment pas voyager partout en prêchant que la parole de Dieu doit être prise au pied de la lettre et rentrer le soir dans une maison pleine de bibelots. Jésus ne dit-il pas « Vendez tout ce que vous avez et donnez l'argent aux pauvres ?» Oui, mais... Mais quoi ? Ton propre frère l'a bien fait, lui. C'est complètement différent. Il est parti pour être missionnaire en Perse. Il n'allait tout de même pas prendre toutes ses affaires avec lui. C'est différent, c'est complètement différent. Vraiment, Madame Muller, avez-vous oublié que vous avez marié un pasteur prussien envoyé par Dieu jusqu'en Angleterre ? Georges, si tu peux faire confiance à Dieu, je peux le faire aussi. Mais alors, emballons tout ce qui est superflu, vendons-le, et nous ferons avec l'argent ce que Dieu nous met sur le cœur. Que Dieu nous aide tous les deux. Oui, tu verras. Si on fait le vide, il y aura plus de place pour Dieu dans nos vies. Superflu, inutile, pas besoin de tout ça. Possession, chose futile, nous n'en voulons pas. Le pouvoir des objets n'a plus d'emprise sur nous, non, non. Croyez-le, nous sommes libres, on n'a plus rien du tout. Si tu ne le mets plus, pourquoi le gardes-tu? Si tu en as deux, donne et fais des heureux. Si en une année, jamais tu ne t'en sers. Du grenier, tes livres prennent la poussière. Superflu, inutile, pas besoin de tout ça. Possession, chose futile, nous n'en voulons pas. Le pouvoir des objets n'a plus d'emprise sur nous, non, non. Croyez-le, nous sommes libres, on n'a plus rien du tout. On nous prend pour des fous, mais rien ne nous empêche de choisir une vie d'amour et d'eau fraîche. Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas, prenons-le au mot, oui Dieu pourvoira. Superflu, inutile, pas besoin de tout ça. Possession, chose utile, nous n'en voulons pas. Le pouvoir des objets n'a plus d'emprise sur nous, non, non. Croyez-le, nous sommes libres, on n'a plus rien du tout. Et qui sait peut-être 200 ans plus tard, ça deviendra même une mode bizarre, une philosophie, un mode de vie, des encombrements, c'est le firmament. Superflu, inutile, pas besoin de tout ça. Possession, chose utile, nous n'en voulons pas. Le pouvoir des objets n'a plus d'emprise sur nous, non, non. Croyez-le, nous sommes libres, on n'a plus rien du tout.
Marie, merci d'avoir vendu tes possessions. Maintenant, il y a autre chose dont nous devons parler. Il s'agit de l'allocation des bans le dimanche matin à l'église. Je ne vois pas comment nous pouvons suivre le commandement de Jésus de traiter tous les hommes comme des égaux si nous offrons aux riches les meilleurs bancs à l'avant de l'église. Dans la Bible, le livre de Jacques nous dit clairement que nous ne devons pas faire de favoritisme envers les riches, c'est déshonorer les pauvres. Oui, Georges, mais en tant que pasteur, c'est notre seul revenu. Ah, je sais. Et tu voudrais que je te dise que je suis d'accord de renoncer à notre seul moyen de subsistance. Marie, je sais que c'est difficile, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Les fidèles devraient être libres de nous soutenir parce que Dieu les y conduit et pas parce qu'ils veulent les meilleurs bancs à l'avant de l'Église. Oui, mais s'ils ne donnent pas librement. Alors, Dieu devra pourvoir à nos besoins d'une autre manière. Marie, crois-tu en être capable ? Georges, je veux pouvoir faire confiance à Dieu, tout comme toi. Faisons ce que Dieu a mis sur ton cœur. Il est arrivé parmi nous, décimant tout sur son passage. Le choléra fait des ravages, épidémie sans pitié, qui pourra bien lui résister? Les enfants dans les canaux vont naviguer leur bateau sans comprendre ce qui les attend dans les rues sales de Bristol. Oh, d'un ennemi mortel. De l'Indan passant par Moscou, il est arrivé parmi nous, décimant tout sur son passage. Le choléra fait des ravages, épidémie sans pitié, qui pourra bien lui résister? Les gosses jouent près des égouts, pauvres gamins sans le sou. Boivent l'eau contaminée dans les rues sales de la vie. Mon ennemi mortel. De l'Indan passant par Moscou, il est arrivé parmi nous, décimant tout sur son passage. Le choléra fait des ravages, épidémie sans pitié, qui pourra bien lui résister? Maintenant que nos parents sont déjà six pieds sous terre, on n'a nulle part où aller, on chapare d'un bout de pain, c'est pour pas crever de
cathédrale de Bristol. Oh, de cet ennemi mortel qui assassine les parents, brise les âmes des enfants. Où peuvent-ils bien aller? Qui va s'en occuper? Que Dieu nous vienne en aide pour les sauver. Est bien trop risqué. Ne laisse pas le choléra t'emporter loin de mes bras. L'enfant qui grandit en moi a besoin d'un papa. Qu'adviendra-t-il demain, moi veuve et lui orphelin? On n'y va pas. Les cloches sonnent, les hommes tombent. Je t'en prie, reste avec nous. Je n'ai pas le choix. Des cris s'élèvent un peu partout. Les cloches sonnent, les enfants seuls attendent que Dieu vienne leur tendre la main. Bien-aimé, l'homme que tu as épousé ne saurait fermer les yeux. Je dois faire ce que je peux. Là devant notre porte, Dieu dépose sa mission. Vivant ou mort, peu importe, j'obéirai avec passion. Les cloches sonnent, les hommes tombent. Je t'en prie, reste avec nous. Je n'ai pas le choix. Des cris s'élèvent un peu partout. Les cloches sonnent, les enfants seuls attendent que Dieu vienne leur tendre la main. Avec moi, alors ainsi, des cris s'élèvent un peu partout. Tu nous appelles, il est fidèle, il protégera notre famille. Dieu nous appelle. Il est fidèle, sa sûre main protège notre famille. Georges, on ne peut pas rester là sans rien faire, ces enfants. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont nulle part où aller. Ne pourrait-on pas créer un lieu pour les accueillir? Quelle brillante idée! Et si nous construisions un orphelinat? Mais oui, c'est ça! Madame Muller, c'est parti! Thank you.
Complètement fou. Démesuré. Une utopie irréaliste. C'est en ces termes que beaucoup qualifiaient l'idée du prédicateur prussien Georges Müller et de son épouse Marie. Et pourtant, le couple, aux moyens plus que modestes, a pu acquérir du terrain sur les pâturages d'Ashley Down dans les hauteurs de Bristol et y faire construire un orphelinat afin d'y accueillir gratuitement 300 orphelins. Des enfants que la terrible épidémie de choléra a laissés livrer à eux-mêmes, dans la rue ou condamnés aux horreurs de l'hospice. Ah oui, l'hospice et les travaux forcés, c'est sûr que c'est pas drôle, hein. Déjà, l'orphelinat numéro 1 est plein, et le couple Müller a pour projet d'en construire un deuxième, puis un troisième, ou plus encore, jusqu'à, disent-ils, que chaque orphelin ait été pris en charge, qu'il ait appris à lire et entendu parler de Dieu. Mais comment ils font pour financer tout ça ? Le fonctionnement de cette œuvre de charité paraît complètement surréaliste. On raconte que le pasteur Müller n'a pour source de financement que sa confiance en Dieu et ses prières. Il ne sollicite aucun don ni aucune aide de l'État, et pourtant, il a reçu tout l'argent nécessaire à la construction d'un bâtiment fonctionnel ainsi que de nombreux dons matériels pour couvrir tous les besoins des orphelins. Il va sans dire que les enfants accueillis, qui ont pour la plupart vécu dans des conditions épouvantables, apportent avec eux une menace constante de maladies mortelles comme la typhoïde ou le choléra. Par conséquent, un soin particulier doit être apporté à l'hygiène. Pour éviter toute contagion, on remet à chaque enfant un petit sac avec des articles de toilette à l'intérieur. Ces sacs étaient suspendus, en rangée bien ordonnée, dans la salle de bain. Et les ongles alors, avez-vous bien frotté? Reste-t-il de la crasse encore? Montrez-moi ses oreilles, ce n'est pas bien fameux. Faut-il que je surveille? Regardez-moi dans les yeux. Ce n'est pas parce qu'on est orphelin que la toilette doit être négligée. Gare à vous mes petits garnements, Miss Martha ne laisse rien passer. Vous me donnez du fil à retordre et du travail par-dessus les bras. Mais que quelqu'un vous cherche du tort, il aura affaire à moi. Sont-ils bien faits? Et les dents brossées? Les habits préparés? Les prières récitées? Ce n'est pas parce qu'on est orphelin que les manières peuvent être ignorées. Gardez-vous mes petits garnements, Miss Martha ne laisse rien passer. Vous me donnez du fil à tordre et du travail par-dessus les bras. Mais que quelqu'un vous cherche du tort, il aura affaire à moi. Ce n'est pas parce qu'on est orphelin que le bon Dieu nous a
c'est l'heure. L'oncle Georges et tante Mary vont venir vous dire bonne nuit et prier pour vous. Oncle Georges, tante Mary. Nous sommes là, les enfants, nous sommes là. Alors, dites-moi un peu, comment s'est passée cette journée? Oui, dites-nous comment Dieu a-t-il pris soin de nous? Et pourquoi pouvons-nous être reconnaissants? Oui, pourquoi pouvons-nous être reconnaissants? La soupe était splendide ce soir. Miss Daisy est vraiment la meilleure des cuisinières. Des gens sont venus apporter des tissus pour l'orphelinat. Juste ce qu'il fallait. Je vais enfin apprendre à coudre des tabliers. Et moi, j'ai enfin appris mes tables de multiplication par cœur. Piouf. Bravo, Edouard. Magnifique, splendide. Bravo, Edouard. Magnifique, splendide. Oncle Georges? Oui, Annie, qu'y a-t-il? Y a-t-il des fenêtres au paradis? Des fenêtres au paradis? Mais pourquoi faire? Peut-être là. Tout à la fois, j'imagine seulement, je ne les connais pas. Et peut-être qu'un beau jour, tout là-haut dans le ciel, ils me serreront dans leurs bras très fort. Tout ira bien, pas de soucis. Nous serons là pour prendre soin de toi. Par la grâce de Dieu, tu manqueras de rien et pourvoiras à tous tes besoins. Dieu te consolera et si tu le veux. Georges, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Gavin, tu le vois bien, j'écris dans mon carnet de prière. Je note toutes mes requêtes et toutes les réponses de Dieu. Tiens, regarde. Hier encore, il manquait 315 livres sterling pour payer la réparation de la toiture. Eh bien, quelqu'un nous a donné exactement ce qu'il fallait. C'est incroyable comme Dieu prend soin de nous. C'est comme l'hiver dernier, quand la chaudière est tombée en panne et les réparateurs qui ne pouvaient pas venir avant 2 semaines. Vous vous rappelez? Oh oui, il faisait si froid. On a failli mourir de froid. Ouh, ça caillait. Mais on a prié. Et Dieu a envoyé un vent chaud pendant 2 semaines. On était en chemisette dehors. C'était incroyable. Oh, oncle Georges, mais moi aussi je veux un carnet de prière. Gavin, avec plaisir, tiens. En voilà un. Tout neuf. Il faut dire que le mien est déjà bien usé parce que Dieu a été tellement bon avec nous. Mais les enfants, ce n'est pas bientôt l'heure d'aller en cours? Vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner? Monsieur Georges, peut-on vous parler une minute? Bien sûr. Qu'y a-t-il? Eh bien, les enfants n'ont pas pu déjeuner parce que
nous n'avons plus rien dans les réserves. Oh là 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 là. Et moi, j'ai ouvert tous les placards et je n'ai rien trouvé à manger, à mettre sur la table pour nourrir tous ces enfants. Rien. Plus rien à manger, mais c'est impensable. On va tous mourir de faim. C'est bon, Alfred, je crois que t'as encore des réserves. Miss Martha, Miss Daisy, en avez-vous parlé avec notre comptable, Monsieur Doubtful? N'y a-t-il pas encore un peu d'argent dans la caisse pour acheter quelque chose pour le petit déjeuner? Ah, celui-là? Bien sûr que je lui en ai parlé. Ah. J'aime mieux vous dire, je me suis fait recevoir. Il était de mauvaise humeur, comme d'habitude, et complètement stressé. Ah non, vous n'aurez pas un centime, Miss Daisy, qu'il m'a dit. Pardonnez-moi, Monsieur George, mais il m'a envoyé sur les roses. Enfin, il m'a dit d'aller prier le bon Dieu de cet illuminé George Muller. De vous, je m'excuse. Voilà. Peu importe, qu'allons-nous faire, Monsieur George? Nous ne pouvons tout de même pas les envoyer en classe le ventre vide. Je confirme, c'est impossible. Certes, certes. Bon, installez les enfants autour de la table. Nous allons rendre grâce comme d'habitude. Dieu nous a toujours montré sa fidélité. Nous verrons bien. Vous avez entendu ce que l'oncle George a dit? À table, allons, allons, allons. Prenez vos gamelles. Jeune homme, casquette. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité parce que tu prends soin de nos besoins. Merci aussi pour la nourriture que tu as préparée pour nous. Mais il n'y a rien à manger! J'ai faim, moi! Chut! Tais-toi! Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Et on fait quoi maintenant? On attend, Maggie. On attend. Bonjour Monsieur Muller. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Écoutez, ce que je vais vous dire va vous paraître étrange, mais je n'arrivais pas à dormir la nuit dernière. C'est comme si une voix me disait que vous alliez avoir besoin de pain. Alors je me suis levée, j'en ai fait 3 fournées que je vous apporte ce matin. Mais gloire à Dieu, vous êtes la réponse à nos prières. Gloire à Dieu. Du pain? Pour de vrai? Du vrai pain? Ouais. Bonjour, excusez-moi de vous déranger de si tôt matin, mais je suis bien embêté. La roue de ma charrette vient de casser devant chez vous et impossible de la réparer sans enlever mon lourd chargement. J'ai une dizaine de gros bidons de lait qui m'encombrent. Accepteriez-vous de m'en débarrasser? De toute façon, le lait risque d'être gâté si vous ne le prenez pas. Du lait, du lait! Dieu nous a envoyé du pain et du lait! Gloire à Dieu, gloire à Dieu! Vous voyez bien qu'il ne fallait pas vous inquiéter et que Dieu prend toujours soin de nos besoins. Comme le dit souvent l'oncle Georges, et la ferme, Kevin, vient plutôt nous aider à décharger. Ensemble, on est ensemble, on pleure, ensemble, on rit, ensemble, on pleure.
sœur Georges. Heureusement que vous avez prié tout à l'heure. Du lait béni par un pasteur. Ça me fait du lait pasteurisé. Waouh ! Elle est bonne celle-là ! Je vois l'oncle Georges, il est souvent courbé. Il n'hésite pas à se pencher pour nous écouter, nous embrasser. Oui, mon oncle Georges est souvent courbé. Quand je vois l'oncle Georges, il est souvent à genoux. Quand je tends l'oreille contre le verrou, oui, mon oncle Georges est souvent à genoux. Quand je vois l'oncle Georges, il est souvent assis. Et dans son vieux carnet, il écrit toutes les prières, tous les merci. Oui, mon oncle Georges est souvent assis. La la la. Comme lui, courbé à genoux ou bien assis, au service des autres et de mon Dieu, je serai un oncle Georges quand je serai vieux. Quand je serai grand, je ferai comme lui, courbé à genoux ou bien assis, au service des autres. Enfin, mais que se passe-t-il? Vous avez la place pour un garnement de plus? Oui, bien sûr, mais enfin, arrêtez de le brutaliser ainsi, ce n'est qu'un enfant. Ah, celui-là, il peut s'estimer heureux que les prisons soient trop pleines. C'est un bon à rien, de la mauvaise graine. Il n'y a rien de bon à en tirer. Et vous feriez mieux de vous méfier de lui, comme du choléra. On l'a encore pris la main dans le sac. Au revoir, madame. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Ah, j'oubliais. Il s'appelle William Reedy et il mange des mégots de cigares. Mon pauvre William, mais comment peuvent-ils parler de toi ainsi? Allez, viens, je vais te présenter aux autres. Alors, il y a Alfred, Sally, Edward, Gavin et puis Annie et Anna. Tu verras, tu seras bien ici. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Et si tu veux un carnet de prières? Ou un morceau de pudding? Mais lâchez-moi, fichez-moi la paix, de toute façon personne ne m'aime! Voleur, buveur, un peu menteur, sans attache, sans père et sans peur. Je ne suis pas aimable, un gamin irrécupérable. J'ai grandi sans foi ni loi, je ne peux que compter sur moi. Je ne fais confiance à personne,
pas de charité pour ma pomme. Voleur, buveur, un peu menteur, sans attache, sans père et sans peur. Je ne suis pas aimable, un gamin irrécupérable. J'ai perdu mes deux parents, des sales coups, j'en fais tout le temps. Des coups de poing et des coups de pied, il faut se battre pour pouvoir manger. Des promesses j'en ai entendu, elles me laissent un goût de déjà vu. Votre Dieu après tout voudrait-il d'un voyou? Voleur, buveur, un peu menteur, sans attache, sans père et sans peur. Je ne suis pas aimable, un gamin irrécupérable, irrécupérable. Allez, viens par ici, William. Un brin de toilette ne te fera pas de mal. Ah là 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 là. Allez, enlève-moi ces haillons, là. Voyons. Ouf, on va devoir te débarbouiller un tout petit peu. Ah, tu es vraiment bien allongé. Pauvre. Miss Martha, avez-vous trouvé quelque chose qui soit à sa taille? Oui, oui, tout à fait, vous inquiétez pas. Il est grand. Oui, grand et maigre. Oh là 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 là, mais... La peau sur les os, si c'est pas malheureux. C'est on va vous le requinquer, hein, Miss Daisy. Tout ça, on va vous le retaper. Faudra brûler. Allez, mets-nous ça vite fait. Et dans la chambre des garçons, est-ce qu'il y a de la place encore? Oui, oui, on fera de la place, vous inquiétez pas. C'est bon? Pantalon? Regardez-moi. Tu préfères le mettre après, peut-être? Je crois que ce serait mieux. Bon, regarde-moi cette chemise, si on n'est pas beau. Regarde. Mais j'ai l'air d'un poulet farci là-dedans. Mais non, tu es tellement beau. Tu verras, il faudra t'habituer. Allez, suis-nous, dortoir des garçons, par ici. Ti-ta-ti, ta-da-ta-ta, ti-ta-ta-ti, ta-da-da-ti-ta, ti-ta-ti, ta-da-ta-ta, ti-ta-ti-ta, ta-da-ta, ti-ra-pti, ta-da-ta-ta, ti-ta. Bien, monsieur Doubtful, ça n'a pas l'air d'aller fort. Que se passe-t-il? Des soucis? Des soucis, mais bien oui. Mais évidemment, vous voyez bien que rien ne va dans cette maison d'idéaliste. Je ne sais pas par quel miracle j'ai accepté ce poste de comptable. Comment voulez-vous qu'un orphelinat fonctionne sans aucun revenu? Aucune subvention de l'État? Enfin, c'est de la folie! Regardez-moi ça! On vit au jour le jour. Aucune épargne. Aucune avance, aucune sécurité. Et puis le toit de la salle à manger qui manque de s'écrouler, mais il faudrait un deuxième pilier, c'est évident. Tout de même, monsieur Doubtful, vous devez reconnaître que nous n'avons jamais manqué de rien. L'autre jour encore, Dieu nous a donné du pain et du lait de manière tout à fait miraculeuse. Jamais manqué de rien, jamais manqué de rien, oui. Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici. Mais qui peut nous dire de quoi l'avenir sera fait? Tous ces gosses à nourrir, c'est de la conscience.
Ne me dites pas qu'ils peuvent se contenter de prières et d'eau fraîche. Je vous le dis entre nous, Monsieur Miller est un doux rêveur, un illuminé, jamais un sou de côté. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de réserves, mais Dieu nous donne notre pain quotidien. Monsieur Georges n'a jamais demandé un sou à personne, et pourtant, nous avons pu construire tous ces orphelinats, accueillir tous ces pauvres petits. Mais, ah non, mais alors ça c'est le pompon, il manque de l'argent dans la caisse. Bon, vous êtes sûr, vous? Vous avez vérifié, non? Parce... tout le monde peut se tromper. Il y avait encore 50 livres dans la caisse, j'en suis certain. Je les ai comptés moi-même, 10 fois, 100 fois. Comme d'habitude. Ah, les sous! Mais ils me rendront fou! Ah, les sous! Müller! Où est Müller? Les sous, souvent les soucis, les sous, un souffle. Et ils sont partis. Souvenez-vous, cher monsieur Müller, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les sous, mais vous les oubliez, je soupire à votre naïveté. Tant de gamins sous-alimentés, vos prières peuvent-elles les faire souper? Sourd à mes conseils, vous abstinez à cueillir et vêtir sans compter. À genoux, toujours spirituel, vous priez pour la manne du ciel. Sous vos sourires, vous sous-estimez pression de la réalité. Souvent je vous le dis, monsieur Georges, tant de soucis prennent à la gorge. Sourd à mes conseils, vous vous obstinez à accueillir et vêtir sans compter. À genoux, toujours suspirer. Vous priez pour la manne du ciel. Les soumis, l'en souffre, il leur est soumis. Les soucis qui pourrissent la vie. Sous son matelas, il en avait caché. Soudain, les souris les ont mangés. Les soumis, l'en souffre, il leur est soumis. Qui pourrissent la vie. Sous son matelas, il en avait caché. Soudain, les souris les ont mangés. Les sous, souvent les soucis. Les sous, un souffle, et ils sont partis. Souvenez-vous, cher monsieur Müller, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Soyez réaliste, monsieur Müller, vos airs insouciants me désespèrent. Je persiste et c'est sous-signé, votre comptable un peu dépassé. Il rassasie
les oiseaux du ciel. Nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, car il nous tient dans sa paume comme un trésor précieux. Il rassasie les oiseaux du ciel. Nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Ne vous inquiétez de rien, pour aujourd'hui, pour demain. Voyez, les soucis sont vains, le Père connaît vos besoins. Da-di-do-da, do-di-do-di-do-di, da-di-da, do-di-do-di-do-da, da-di-do-da, do-di-do-di-do-di-da. Ne nous inquiétons de rien, oh, cherchons, cherchons le royaume. Ne nous inquiétons de rien, oh, cherchons. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel. Nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel. Nourriture ou vêtements, il prend soin de les enfants. Les enfants, allons, allons. Venez par ici, tous en rang. Mais on n'est pas prêts. Peu importe. Venez, habillés en pyjama, c'est égal. Allez, en rang par ordre de taille, s'il vous plaît. Voilà, encore une. L'oncle Georges a à vous parler. L'heure est grave. Les enfants, je n'irai pas par quatre chemins. Notre comptable, Monsieur Doubtful, m'a informé d'un fait regrettable. Oui, très très regrettable. Il semble qu'il manque 50 livres sterling dans la caisse. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux? Allez, descends. C'est pas le moment de jouer à cache-cache. Allons. Voilà, voilà. Alors, je vous le demande. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu quelque chose d'inhabituel? Vous n'avez rien vu? William, serais-tu au courant de quelque chose? Oh, tu peux baisser les bras, mon pauvre garçon. Je n'ai pas pour habitude de frapper les enfants que Dieu me confie. D'ailleurs, tu me rappelles beaucoup quelqu'un. Sais-tu que moi aussi, j'ai volé dans la caisse de mon père? Et même dans les paniers d'offrandes, que Dieu me pardonne, qui passaient entre les bancs des églises. Vous, monsieur Georges? Mais comment est-ce possible? Mon cher enfant, tu n'as pas encore compris. Tu fais partie d'une famille. Parce que Dieu est le père de chacun de nous ici. Si tu as besoin de quelque chose, il suffit de demander. Maintenant, William, sache que tu as ta place dans cette famille. Mais si tu veux la quitter, personne ne va t'en empêcher. Parce que c'est à toi de choisir. Oh, pardon, monsieur Georges. Père, sois mon père. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Père, pardonne-moi,
sens si seul, perdu loin de toi, ton amour et ton réconfort m'apportent la guérison. Prends mes peurs et ma rébellion, ramène-moi à la maison. Demandez le Bristol Times, demandez le Bristol Times, l'histoire incroyable de George Müller, un interview exclusif, un missionnaire allemand qui construit des orphelinats uniquement par la foi et la prière. On dit que l'homme a reçu plus de 50 000 exaucements à ses prières. 50 000, mesdames et messieurs, toutes recueillies dans un carnet. Demandez le Bristol Times, demandez le Bristol... Moi aussi, j'ai un carnet de prières. Et moi aussi, Dieu répond à mes prières. J'ai prié pour Annie, pour Anna, pour Alfred, qui a toujours faim, pour le pain et pour le lait, pour avoir un chapeau comme l'oncle Georges, et attendez, j'ai même pas fini! Georges Müller a consigné toutes les fois où par la foi il vit la bonté du roi. Dieu ne reste pas silencieux, il accordera à ceux qui ont confiance une réponse, oui, non ou bien plus tard. 50 000 raisons de louer, 50 000 prières exaucer, demander et vous recevrez. 50 000 raisons de remercier.
merci, 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 merci. 50 000 raisons de louer, 50 000 prières exaucées. Demandez et vous recevrez. 50 000 raisons de remercier, 50 000 raisons de louer, 50 000 prières exaucées. La créatrice de la comédie musicale d'Arthur Riffler.